étiez sacrément chaud en intro quand même avant, hein. Yo les potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Une vidéo pas des moindres, parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder mes anciennes vidéos. Et pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps maintenant, vous savez qu'il y a eu quand même un très gros glow up entre mon mois de maintenant et mon mois de il y a 3 ans. Et comment dire que mes vidéos de il y a 3 ans, mec, elles sont hyper malaisantes gros. Mais vraiment hyper malaisantes. Et surtout pour moi. Surtout pour moi parce que je me dis, ah c'est ce mec là, c'était moi. Yes, bah je vais remettre toute ma vie en question alors. Aussi vous avez peut-être remarqué les gars, faites pas attention, mon décor est en train de tomber en ruine totale. J'ai ma plante juste ici qui est totalement en train de mourir. Voilà, elle est en train de décéder malheureusement. Je sais pas les gars, pourtant je lui donne à boire. Les volets sont ouverts, elle a du soleil. Je sais pas, mais malheureusement cette plante est en train de décéder. C'est encore quelqu'un qui nous quitte aujourd'hui. Quelqu'un que j'aimais très particulièrement, qui est avec moi depuis le début dans mon nouvel appartement, qui m'a accompagné dans les moments difficiles comme dans les meilleurs moments. Et aujourd'hui qui s'apprête à partir à rejoindre le ciel. Et voilà, c'est... Elle aura bien vécu, elle aura bien vécu. Et on a aussi mon putain d'aquarium qui est en train de tirer la gueule, les gars. Je sais pas si ça se voit, mais il y a vraiment des algues partout dans l'aquarium. En haut de l'aquarium, il y a des algues mortes. Enfin, c'est... Mon décor est en train de tomber en ruine. Il ne survit pas au confinement. Bref, du coup, aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et que j'ai jamais osé faire parce que, bordel de merde, c'est compliqué à tourner ce genre de vidéo. C'est... On va regarder mes anciennes vidéos, quoi, les gars. C'est parti, quoi. Alors déjà, on va faire un truc. On va aller sur ma chaîne déjà, mais mine de rien les gars, là on va se foutre un petit peu de ma gueule. Mais en vrai de vrai, je peux être quand même très fier de moi parce que j'ai commencé les vidéos très tôt, hein. J'ai commencé les vidéos jeunes, hein. Regardez, ma chaîne à date du 22 février 2015. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube les gars, 5 ans. Donc j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne YouTube là, j'avais 13 ans les gars, j'avais 13 ans quand j'ai commencé les vidéos. Et aujourd'hui j'en suis là les gars, vous avez réalisé mon plus grand rêve, je peux le dire, je suis youtubeur gros. Du coup, vidéo mise en ligne triée par date d'ajout la plus ancienne. Et là on a directement ma toute première vidéo qui a 500 000 vues quasiment. Bah dis donc, j'ai percé, hein. Yo tout le monde, c'est Michou, je suis nouveau sur YouTube. Donc aujourd'hui on fait la première vidéo. En vrai ça va, j'avais l'air plutôt à l'aise, hein. J'avais l'air quand même plutôt à l'aise pour une première vidéo les gars. Mais c'est quoi cette qualité là, c'est catastrophique. On sent que j'avais pas encore de setup de matos ou quoi. En vrai les gars, mes premières vidéos c'est très simple. J'avais mon ordi portable, je réquais mon écran avec la webcam de mon ordinateur portable. Et après je faisais du montage et c'est parti quoi. Ma toute première vidéo c'est un jeu d'horreur, c'était une vidéo Five Nights at Freddy's 2 les gars. Ah ouais. Allez, on sent bien. Hein, attends quoi. Pourquoi je commence à m'ambiancer? Je mets une musique, en plus la musique j'ai reconnu c'était du Black M les gars, je kiffais trop avant. Mais pourquoi je me suis ambiancé comme ça d'un coup sans raison? On m'explique? Attention, ce que vous allez entendre peut choquer certaines personnes. En vrai à l'époque je voulais faire du montage les gars. À l'époque je voulais faire du montage, tu vois. Je me disais vas-y, si je veux faire des bonnes vidéos, tu vois, des vidéos travaillées, faut faire du montage, faut rajouter des effets et tout. Mais j'en rajoutais trop, j'en rajoutais pour rien frère. Putain, où sont-ils? Salut, coucou. Mais il y a une tête de troll en plein milieu de la vidéo, hein. On sait même pas pourquoi. Ah ouais, c'était catastrophique. Bon, c'était ma première vidéo les gars, c'était ma première vidéo, on va pas s'attarder. Ah là on va s'amuser. J'ai commencé les podcasts les gars, j'ai commencé les vidéos IRL. Genre quand t'es avec ta mère. 4 millions de vues. Quand tu joues au foot, 4,3 millions. Mais c'est quoi ça? Mais arrêtez de regarder ce genre de vidéo les gars. Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tiens. Ok, let's go. Oh, déjà j'avais désactivé les j'aime et j'aime pas. Ça, je sais pourquoi j'avais fait. Parce que j'avais énormément de dislikes, hein. Là, aujourd'hui, je me moque de moi-même. Mais à l'époque, c'est abusé les insultes que je prenais, les gars. Et pourquoi, en fait, ne faites pas ça? Genre là, si actuellement, je vois un petit youtubeur qui a 13 ans, il fait des petites vidéos dans son coin. Même s'il est malaisant, que c'est nul. Pourquoi cette envie de l'insulter, de le rabaisser, ça sert à rien? Parce que regardez, à l'époque je me faisais insulter en mode t'es qu'une merde, arrête YouTube, ça sert à rien. C'est la preuve que faut rien lâcher les gars dans la vie et ne pas écouter les haters. J'ai bien fait les gars. J'avais désactivé les pouces rouges parce que bon, ça me faisait un petit peu chier quand même de voir que j'avais plus de pouces rouges que de pouces bleus. Mais au final j'ai continué, j'ai rien lâché et j'ai très bien fait, je ne regrette rien. Let's go, Michou, quand t'es avec ta mère. Salut tout le monde, c'est Michou et aujourd'hui on se voit. Aïe aïe aïe, déjà cette intro les gars, cette intro je m'en rappelle très bien. On avait fait cette introduction les gars, il devait être 3h du mat. Parce qu'en vrai, cette vidéo les gars, on a passé vraiment facile 3-4 heures de tournage, hein, pour cette vidéo, hein. C'était avec mon frère, grosse dédicace à toi Matkev les gars. Je veux des cœurs pour Matkev dans les commentaires, d'accord? Je veux des cœurs pour Matkev dans les commentaires parce que c'est lui qui m'aidait à filmer toutes mes vidéos avant. Monter les vidéos aussi, c'est lui qui faisait avant. Et genre c'est lui qui faisait mes montages et il me montrait, tu vois, il m'apprenait pour qu'après je puisse faire mes montages tout seul. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu me lancer, faire des vraies bonnes vidéos YouTube, travailler. Donc voilà, merci Matkev, t'es le boss. Quand t'es avec ta mère. Plus précisément du côté opposé.
obscur des mamans. Vous savez, quand elles vous disent va te brosser les dents, va te coucher, en général, ça se passe comme ça. Allez, let's go. Quand tu dois ranger ta chambre. Range ta chambre. Oh non. Tout, mais pas ça. En plus, j'avais, ça se voit que j'avais envie de me péter une barre. Range ta chambre. C'est le bordel. Quoi? Encore? Mais pourquoi tu veux que je range ma chambre? Elle est propre. Ok, tu mets tout sous le lit. Oh, bah c'est bon, c'est propre. D'accord, ok, bon, c'est une petite blague, voilà, c'est une petite blague, les gars, c'est validé, non, franchement, tu vois, ça va. C'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans, franchement, ça va. Miguel, à table. Bah attends, mais y'a clairement rien dans la casserole, là, mon petit Michou. Miguel, à table. Rien. J'étais clairement en train de touiller dans du vide, là, on est d'accord, hein. Tout le budget, il était passé dans le déguisement de la maman, les gars. Arrête de... Bon, c'est vrai que voilà, ça a beau avoir 5 ans et tout, c'est un petit peu nul quoi. Bon, il y a des petites vannes, c'est rigolo, tu vois, mais franchement, j'étais déjà à l'aise pour l'époque. Un jour, j'ai commencé les vidéos, j'étais déjà un petit peu à l'aise. Mais parce que c'est vrai, il est vrai, faut que je vous le dise, les gars. Cette vidéo là, la vidéo Five Nights at Freddy's 2, pour ceux qui le savent pas, c'est pas ma toute première vidéo. J'avais déjà fait une chaîne YouTube avant ça, les gars. Alors, elle est pas forcément secrète, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà. Ah, elle est là, 25 100 abonnés pour vous dire à quel point c'est pas un secret pour tout le monde. Ça c'était ma première vraie chaîne YouTube. Et celle-là par contre c'est vraiment catastrophique. En fait là les gars c'est simple, il y avait aucun montage ni rien. J'écrivais pas mes vidéos, c'était full impro, c'était, enfin voilà, c'était un petit peu n'importe quoi cette chaîne YouTube. Et ça c'était mes premières vraies vidéos. Miguel présentation. Alors ça c'est ma toute première vraie vidéo, c'est ma toute première. Oh là là, déjà le footballeur. Bon, salut à tous et à toutes. Là les gars, là j'avais 13 ans déjà à cette époque là, on dirait pas, hein. Sur la vidéo on dirait que j'ai 8 ans. Maintenant je vais faire plein d'autres vidéos sur YouTube. Je rigolais, vous savez pourquoi je rigolais? Parce que c'est mon pote qui me filmait. Et du coup là c'était ma première vidéo, tu vois, j'étais pas à l'aise. Donc j'étais en mode ouais. Oh putain de merde. Bah je vais me présenter bien sûr. Ah. Bah, je m'appelle Miguel. Ouais c'est vrai. J'habite à Albert. Ok c'est vrai, j'habite à Albert. YouTubeur avec Esteban. Oh, comme mon caméraman. Oh, mon caméraman, c'est mon ref, putain, je suis mort. Il se fait afficher aussi dans cette vidéo, quoi, décidément. A plus. Ok, bon, bah, c'est déjà fini. Bon, bah, c'était rapide, hein. Bon, voilà, ça, c'est ma toute première vraie chaîne YouTube, les gars. J'ai fait quelques vidéos Miguel Menteur. Voilà, je faisais déjà des podcasts, c'est Miguel, hein. Pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau sketch. Oui, encore un sketch. Oh, je vais faire un sketch. On va parler des mythos. Ils te disent un truc que tu sais que c'est un mensonge, mais t'as envie de le... Je suis clairement en train de réfléchir à ce que je vais dire, c'est incroyable. T'as me dire ça. Moi, j'ai plus de 1000 euros sur mon compte, hein. Attends, je vais demander à ta mère. Regarde comment j'interprète les personnages, wesh. Comme il n'y a pas de cut, je suis mort. Genre, on me voit faire ça. Salut, tu vas bien? Oui, ça va très bien, et toi? Bah oui, ça va super. Et bah génial ça. Bon voilà les gars, on va pas s'attarder sur mes vidéos sur la chaîne Miguel. Mais c'est comme ça que j'ai vraiment commencé YouTube. J'avais mon téléphone, je lançais la vidéo, j'arrêtais la vidéo. Hop, c'était uploadé sur YouTube. Oh, la vidéo de Jelly Belly, mais vous la connaissez tous les gars. Cette introduction légendaire que tout le monde a déjà vue. Oh, c'est Zogo. Oh, Zogo. Je me suis vraiment explosé le crâne, hein. Non, en vrai les gars, c'est simple, je pense savoir pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'avant je croyais que pour faire rire quelqu'un, il fallait faire des chutes, il fallait se cogner, il fallait se ridiculiser, tu vois, genre et du coup à la moindre occasion, si je pouvais me faire mal ou quoi, j'hésitais pas à en faire des caisses. Et ouais voilà, c'était mon humour de l'époque les gars. Michou, quand t'es en vacances. Oh là 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 là, mais ce corps d'athlète, mais je suis désolé, mais ça c'est le body goal, c'est le summer body, les gars. Là je suis prêt pour cet été, pour aller bronzer sur les plages. Bon bah alors là, quand tu pars en vacances. Oh, mon ancien décor, les gars, mon tout premier décor YouTube, c'était ça, les gars. Il y avait juste un drapeau derrière moi et un mur rouge. Quand tu n'as pas de réseau. Bon bah alors là, quand tu pars et que t'as pas de wifi, tu ressors carrément tes jeux de société qui sont restés dans ton placard pendant un an. Mon précieux. You got me woke up. Mais non, Michou, il y a des bonnes idées, mais pourquoi tout le temps il faut que t'en rajoutes des caisses comme ça? Pourquoi tu te retrouves à danser avec un jeu Monopoly? Mais calme-toi. Ou alors là, quand tu manges, en général, t'as toujours des mouches qui sont là pour te faire chier, hein. Mais des fois, c'est des guêpes. Oh, non, pas. Mais...
Quand je vous dis qu'avant, pour faire rire, j'étais obligée de me ridiculiser. On me voit baisser mon pantalon, les gars. Pourquoi? Pourquoi tu veux te mettre en caleçon comme ça? Regarde, j'étais clairement en train de baisser mon pantalon et je faisais genre que je faisais pas exprès. Non mais allez, frérot. Mais... fuck bitch. Attends, quoi? Ouais, mais il y a des trucs, je m'en rappelle plus, gros. C'était quoi ce montage? En mode l'abeille a vient choper le poulet. Fuck bitch. Fuck bitch. Je réagis à mes anciennes vidéos, mais non, j'avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans. On va se foutre de la gueule de moi qui se fout de ma gueule. C'est incroyable ça. Tu fais pas une vidéo où tu te moques de tes anciennes vidéos quand t'as cette gueule là, frérot, s'il te plaît, non. Putain, j'avais un de ces monosourcils, mon gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être très très dure à faire pour moi. Parce qu'on va regarder mes anciennes vidéos. Et je peux vous dire qu'il y a des gros dossiers. Donc voilà, on est sur la chaîne, c'est Miguel Mathieu. Allez, bam. Mais je vous l'ai sorti dans cette vidéo, vous le savez déjà maintenant. Regardez-le. Regardez, là je me suis mis en position juge là. Là je juge la vidéo. Cette vidéo n'est pas de qualité. C'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans j'étais en 4e. Attends, et cette vidéo là je l'ai fait, j'étais en quoi cette vidéo là là? En 2014 j'étais en 4e, donc en 2016 j'étais en seconde. D'accord, donc là j'étais choqué. Attends, là j'étais en 4e. Mais attends, mais j'avoue, le mec là que vous voyez au milieu, il était en 4e, gros. Et là le mec là, lui que vous voyez réagir, il était en seconde au lycée. Attends, mais j'avoue, mais c'est choquant, frère. Frère, tu me dis je suis un 6e, je te crois. Si je vois que vous avez vraiment aimé cette vidéo, j'en referai peut-être une 2e. Ah, bah c'est aujourd'hui. C'est vraiment juste parce que vous avez aimé la première que je fais la 2e. Mais bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao. Oh, mes anciennes outros. Mais je m'en rappelle, gros. Avant, toutes mes outros, c'était ça. Liker, commenter, partager. Et comme ça, je faisais ciao. Et le voile noir, il s'instaurait en même temps que ma main. Bah, vous savez quoi? L'outro de cette vidéo, je vais la faire comme ça, mon pote. Essayez de trouver des petits dossiers un petit peu plus cachés là. Oh, Michou en soirée. Non mais ça c'est, il y a 100% plein de trucs à dire. Michou en soirée. Salut tout le monde, c'est Michou. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Oh. Vous êtes déjà plus de 200 sur ma chaîne, c'est énorme. 200 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes 3 500 000. Et merci donc, les gars. Je voulais vous parler des soirées parce que ouais, les soirées dans nos têtes c'est comme ça. Alors qu'en vrai, on est tous d'accord, ça ressemble plutôt à ça. En effet les gars, bon bah là, vous voulez que je vous dise la vérité? J'étais à l'anniversaire de mon papy quoi, c'est... c'est pas une soirée Michou, c'est pas ça une soirée, tu confonds tout là. Mais moi j'ai remarqué que les soirées à même pas. Que quand je danse, t'as personne d'autre qui danse quand je suis bien chaud et tout. Je suis tout seul sur la piste. Oh là là, cette danse. Mais attends, mais frère, tu vois cette danse Fortnite là? Mais c'est moi qui l'ai inventée en fait, regarde. J'étais déjà en train de la faire, gros. Mais je suis un génie. Mais Fortnite, mais il y a droit d'auteur là, par contre, je suis désolé, gros. Mais quand t'es gosse, c'est que t'es souvent rapide à manger. Du coup, après, tu te fais chier pendant 10-20 minutes parce que les vieux, ils prennent du temps à manger. Pourquoi les vieux, ils prennent du temps à manger? Quand ils parlent et qu'ils ont plus de dents, bah, c'est un peu dur de se parler, quoi. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je viens de dire là? Mais je suis un fils de pute. Pardon maman, c'est pas comme toi, mais... Non mais non gros, non. Oh, les commentaires ils sont désactivés, mais quel dommage. Mais une fois que les ancêtres ont fini de manger, bah... J'en rajoute. Non mais frère, respecte-les un moment gros. Mais j'étais un sacré bâtard gros. C'est quoi ça? En plus moi ma danse du moment c'est ça. Je l'appelle la danse des tétons. Tu voulais travailler, mais ton zizi ne veut pas. Bon ok, comme ça je passe pour un gros pédé. Attends! Mais non! Mais gros! Non mais là! Non mais non! Bon ok, comme ça je passe pour un gros PD. Mais j'ai dit ça sans... Mais non mais gros! Vous inquiétez pas, moi aussi je suis choqué. Mais jamais je dirais des trucs comme ça aujourd'hui. Mais attends, mais frère! Frère, j'avais 12 ans, je parlais comme ça, mais gros. Donc bah voilà, avec cette danse, bah je drague toutes les filles. Ah ouais, avec cette danse, bah... mais t'es un sacré mytho gros! Eh hey, Pinocchio là, faut... Arrête de mentir gros! Ça me fume putain. Non mais attends, mais cette vidéo par contre, y'a trop de trucs. Y'a trop de trucs à dire sur cette vidéo, mon dieu, mon dieu. Mais cette vidéo, c'est quoi ce bordel? Je suis parti en couille, gros. Je suis parti en couille. Les gars, les petits potes, la vidéo touche à sa fin. Voilà, on a retracé un petit peu mon parcours YouTube. On a regardé mes anciennes vidéos et tout. C'était cool, les gars. Et en vrai, je trouve ça incroyable l'évolution que j'ai eue sur YouTube. Le fait que j'en sois là aujourd'hui, les gars, je tenais à vous remercier du fond de mon cœur, les gars, parce que vraiment, vous avez réalisé un rêve de gosse, ok? Bon, sinon, mes projets sur YouTube, bah, mon rêve, ça serait vraiment de vivre grâce, bah, de vivre avec YouTube. Et je suis trop...
trop fier, je suis trop content d'en être là aujourd'hui les gars, et c'est aussi grâce à vous. Donc merci infiniment à vous les gars, merci de me suivre, merci, je sais pas, de la confiance que vous m'accordez, je vous kiffe les gars, merci énormément. Et c'est aussi une belle leçon de morale pour vous montrer que faut rien lâcher dans la vie, parce que vous voyez, moi je suis parti de rien, et avec de la persévérance, bah j'en suis là aujourd'hui, et voilà. Et bien évidemment, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour liker, commenter, partager, et sur ce, je compte sur toi Wakey, ciao.